Les éclaireurs de l'église de Rennes présentent Jésus notre modèle. Alors regardez et écoutez nos cadets tous les soirs du 24 au 27 juin à partir de 19h sur YouTube OREB 972 et sur notre site internet adventiste-oreb.org. Bonsoir et bienvenue en notre premier jour de la Voix des cadets. Vous n'êtes pas sans savoir que malgré les problèmes et les difficultés, nous devons dire haut et fort le nom de Jésus. Entonnons ensemble, dites-le fort. Notre âme a soif de toi, Seigneur. Chantons ensemble ce chant.
fait des prodiges. Notre âme tout entière doit le bénir. Proclamons le nom de l'Éternel par ce chant. Bénissez l'Éternel. Aujourd'hui, chantons ensemble, nous voici Seigneur. Chanter notre chant thème, Te ressembler, que nous aurons le plaisir d'interpréter avec vous tous les soirs.
Bonsoir, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Je souhaite aussi que vous passiez un bon moment avec le programme de la Voix des Cadets. Bienvenue à tous. Bonsoir à tous. La Voix des Cadets. Dans une famille, le cadet vient après l'aîné. C'est généralement le plus jeune des enfants. Il en est de même dans la famille de Dieu. Nous, parents, adultes, encadrants, les précédons. Nous les aidons à tracer leur chemin. Quand des jeunes sont en action, ils touchent le public de façon plus profonde, plus intense, car le message qu'ils diffusent est exempt de farfelus, de chichi, d'artifices. Ils sont naturels, ils sont sincères. Ce qu'ils produisent est brut et vient du fond du cœur. Et c'est ce que Dieu attend de nous, que nous soyons comme des enfants. À compter de ce soir, et ce jusqu'à samedi soir, soit quatre soirs, nos cadets qui ne sont autres que les éclaireurs de l'église au REB, du nom de leur club les Constellations, se feront entendre, se feront connaître pour proclamer le nom de Dieu autour du thème « Jésus, notre modèle ». Quatre soirs, ils sont cinq prédicateurs. Grégory, qui ouvrira, c'est un guide. Le deuxième soir, nous avons, elles seront deux filles, Emeline et Laura, respectivement guide et pionnier. Le troisième soir et le quatrième soir, nous aurons respectivement Mathis et Nathanaël, deux guides. Une année sur deux, nos éclaireurs sont en campagne. Mais pandémie oblige, nous avons dû la différer. Mais ce qui est différé n'est pas perdu. Alors, connectez-vous. Allumez votre poste de radio. Soyez présents au rendez-vous virtuel tous les soirs à 19h. La Voix des Cadets se manifestera par des chants, des prières, des prêches. Vous les verrez en action pour Dieu. Mais attention, ne pensez pas que vous ne serez que de simples observateurs. Oh non. Votre mission, si vous l'acceptez, sera de prier, de les accompagner dans ce moment. Il y aura certes des dérapages, mais ils savent qu'ils peuvent compter sur chacun d'entre vous. La Voix des Cadets, c'est pour vous, par nous, et c'est maintenant. Bonsoir, nous allons prier. Seigneur mon Dieu, merci de nous avoir permis de passer une bonne journée sur ton regard béni. Faites qu'on passe une bonne soirée. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour la nourriture, pour l'eau. Merci de nous avoir permis de venir ici en santé et sans faire d'accident. Faites qu'on rentre bien chez nous. Merci pour tout. Merci pour ta gloire. Amen. Je vous invite à prêter l'oreille à un morceau instrumental qui nous sera interprété par Lucas Athanase. Thank you.
Bonsoir à tous. Le message de ce soir a pour titre « Jésus dans son enfance ». Le texte de base se trouve dans Luc 2, au verset 52. « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. » Jésus, quand il était enfant, grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Dans le rayonnement de la présence de son Père, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Son esprit était actif et pénétrant. Il était plus réfléchi et plus sage que les enfants de son âge. Son caractère avait un équilibre magnifique. Ses facultés intellectuelles et ses forces corporelles se développèrent graduellement, en harmonie avec les lois de l'enfance. Jésus se montrait particulièrement aimable. Il était toujours prêt à se mettre au service des autres. Rien ne pouvait laisser sa patience et sa véracité étaient incorruptibles. Tout en étant ferme comme un rocher dans ses principes, il manifestait dans sa vie la grâce d'une courtoisie désintéressée. Nous devons apprendre à nos enfants à lire la Bible et à rechercher les trésors se trouvant dans la parole de Dieu, comme Jésus le faisait et comme ses parents le lui enseignaient. Car tout enfant peut s'instruire comme Jésus l'a fait. Si nous nous efforçons d'apprendre à connaître notre Père céleste, au moyen de sa parole, des anges s'approcheront de nous pour fortifier nos esprits, pour en oubliant et élever nos caractères. Ainsi, nous deviendrons semblables au Sauveur. La contemplation de tout ce qui est beau et grand dans la nature dirige nos affections vers Dieu. Une crainte salutaire envahit l'esprit et l'âme reçoit une vigueur nouvelle par le contact avec les œuvres de l'infini. La communication avec Dieu par la prière développe les facultés mentales et morales et les énergies spirituelles sont accrues par la méditation des choses spirituelles. Chers parents, soyons des imitateurs de Jésus. Passons du temps dans la prière, dans la méditation, pour que nos enfants trouvent en nous les exemples dont ils ont besoin et soient amenés à voir Dieu à travers nous. Quand il était enfant, il raisonnait et parlait comme un enfant. Mais jamais aucune trace de péché ne troubla l'image de Dieu qui était en lui. Il n'était cependant pas à l'abri des tentations. Les habitants de Nazareth étaient réputés pour leur méchanceté. Et on peut le voir par la question de Nathanaël quand Jésus fut présenté à lui. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? L'entourage de Jésus mettait à l'épreuve son caractère. Il dut faire des efforts constants pour préserver sa pureté et fut exposé à toutes les luttes dont nous faisons l'expérience afin de devenir pour nous un exemple dans l'enfance. Jésus ne fuyait pas les soucis et les responsabilités comme le font beaucoup de ceux qui se disent ses disciples. Plusieurs sont faibles et incapables parce qu'ils cherchent à se dérober à cette discipline. Ils peuvent se faire aimer et apprécier certains traits de leur caractère, mais ils manquent d'énergie et sont presque inutiles quand il s'agit d'affronter des difficultés ou de surmonter des obstacles. Ce n'est pas dans les écoles de la synagogue que Jésus reçut son instruction, ou si vous préférez, ce n'est pas à l'église uniquement que nos enfants doivent recevoir les instructions de la parole de Dieu. Il faut que nous prenions du temps à enseigner à nos enfants les richesses de la parole de Dieu comme le faisait sa mère. Nos enfants peuvent s'instruire comme Jésus l'a été. Pour cela, il faut qu'ils trouvent en leurs parents, comme Marie et Joseph pour Jésus, ce désir et cette volonté. La Bible nous dit dans Luc 2 au verset 52, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. »
Les enfants ne sont pas trop jeunes pour apprendre à bien faire leurs tâches domestiques. Apprenons-leur à cultiver la joie, la douceur et le respect des autres. Apprenons-leur à grandir spirituellement, physiquement et dans le respect. Nos enfants ne sont pas trop jeunes pour être des témoins pour Dieu, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Faisons comme les parents de Jésus. Ayons du temps pour nos enfants, afin qu'ils puissent grandir dans l'amour de l'étude, la parole de Dieu, et ensuite instruisons tous ceux qu'ils fréquentent. Dieu veut tout de même que nous lui fassions confiance dans nos vies et dans la vie de nos enfants. Soyons des enseignants capables de montrer la voie du salut à nos enfants, aussi petits soient-ils, car Dieu est capable de les transformer et de faire d'eux des disciples, capables de présenter sa parole avec puissance et conviction. Dieu est capable de nous transformer, laissons-le agir dans nos vies. Amen. Nous allons maintenant chanter notre chantem, Te ressembler. La prière. Tendre Père Céleste, nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions parce qu'en ce soir, tu nous rappelles l'enfance de ton fils Jésus. Il croissait en stature, en grâce, non seulement devant Dieu, mais devant les hommes. En ce soir, nous voulons que nos éclaireurs d'oreb puissent croître, Seigneur, avec toi. Que les parents soient des enseignants, comme l'étaient Marie et Joseph. Tendre Père Céleste, garde chacun d'eux. Ce sont des jeunes cœurs. Ils ont besoin de toi. Ils ont soif d'entendre ta parole. Que tu puisses permettre, tendre Père, que nous, les encadrants, nous, les parents, les anciens, ainsi que le pasteur, que nous puissions les guider afin qu'un jour, ils puissent, Seigneur, être les enfants, les missionnaires que toi tu as choisis, afin qu'ils puissent enseigner ta parole à d'autres, qu'ils puissent être un exemple en toutes choses. Garde-les précieusement, dirige leur vie, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma gloire. Ce sont les paroles qu'Aloïsia nous interprétera dans un chant spécial. Thank you.
à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton père qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Seigneur nous demande de lui parler tous les jours, de prier. Et nous savons que lorsque nous prions à Dieu, il vient parmi nous, à côté de nous, il vient en nous. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire, car notre Seigneur Jésus-Christ est là.
Il est là, notre Dieu est là. Il est là. Posons nos fardeaux auprès de notre Maître. Notre seul désir, c'est de lui ressembler, c'est d'être saint comme lui, de suivre son exemple. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint. Que l'or et l'argent.
pour être saints et ressembler à notre Créateur, il nous faut nous abandonner entièrement à lui. Entre tes mains, Seigneur, je m'abandonne. J'abandonne.
levons-nous et chantons ensemble le chantème de la voix des cadets, doux Jésus. Pour tous tes bienfaits dans ma vie, Seigneur, moi je te suivrai. Même si mon monde s'écroule aujourd'hui, je continuerai. Car tu me protèges et tu guides mes pas, ô Seigneur. Et toi, seul constamment, tu veilles sur moi, Jésus.
pas d'issue. Je te fais confiance, mon Jésus. La tempête sera vaincue. Trop de haut et trop de bas, je ne peux rester dans ce cas. Cette tempête sera vaincue. Qu'il vente ou qu'il pleuve, ou qu'il neige, oh mon Seigneur, moi je traverserai, j'irai. Là où tu iras, je serai. Accompagne-moi, oh papa. Moi je veux marcher avec toi. Même si le monde est contre moi, peu importe les emportera, Seigneur. Je te fais confiance, mon Jésus, la tempête sera vaincue. Trop de haut et trop de bas, je ne peux rester dans ce cas. Cette tempête sera vaincue. Qu'il vente ou qu'il pleuve, ou qu'il neige, oh mon Seigneur, moi je traverserai, j'irai. Les emportera.